Bienvenue à l'ELM, l'ensemble de lancements multilanceurs du CNES à Kourou. 60 ans après son premier lancement avec la fusée Diamant, ce pas de tir mythique s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. En ouvrant ses portes, le CNES affirme son soutien aux innovations audacieuses et à une nouvelle génération d'acteurs spatiaux. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de ces passionnés qui vont bientôt propulser leurs idées jusque dans les étoiles. Europa braucht heute mehr denn je einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Mit dem ersten erfolgreichen Testflug unserer Trägerrakete Spektrum haben wir den Grundstein gelegt, die steigende globale Nachfrage nach flexiblen Satellitenstartdiensten zu bedienen und gleichzeitig Europas Widerstandsfähigkeit und Autonomie zu stärken. Wir sind stolz darauf, gezeigt zu haben, dass Europa dauerhaft zu mutigen Denken und großen Erfolgen fähig ist. Como pioneros, PLD Space se acercó al CSG en 2018 y ahora somos un operador privado de lanzamiento. Estamos orgullosos de poder aportar a esta nueva era de la base de Kourou para un lanzamiento competitivo privado desde suelo europeo. À l'époque de Diamant, l'accès à l'espace était réservé à des nations pionnières comme la France, qui a voulu porter des projets de développement d'accès à l'espace avec des moyens et des méthodes qui étaient bien différentes de celles qu'on a pu rencontrer aujourd'hui avec le New Space. Aujourd'hui, on a pu adapter nos méthodes de production avec l'impression 3D, on a pu élaborer des nouvelles méthodes de travail avec des itérations plus rapides afin de gagner en réactivité, en productivité et du coup permettre à des sociétés privées, des petites startups comme Latitude, de se lancer dans ce genre de projet et d'avoir la même ambition de réalisation du rêve d'accès à l'espace. Wir bei AFL sind stolz darauf, Teil des nächsten Kapitels auf dem historischen Diamant-Startplatz zu sein. Während die Grundlagen der Raketentechnik nach wie vor auf denselben physikalischen Prinzipien beruhen, die die Pionierflüge der Diamant angetrieben haben, ermöglicht die heutige Technologie eine weitaus größere Leistung, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. Unser Helix-Triebwerk, das eine gestufte Verbrennung verwendet, stellt einen bedeutenden Sprung über die toxischen Hydrazin- und Feststoffantriebe der Vergangenheit dar. Die Wahl von robusten, preiswerten Edelstahl für unsere Stufen ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Herstellung. Ein krasser Gegensatz zu den komplexen und kostspieligen Fertigungsmethoden des früheren Raumfahrtzeitalters. Durch Innovationen in den Bereichen Design, Materialien und Betrieb können wir einen Startkadenz und eine Wirtschaftlichkeit erreichen, welche in den 60er und 70er Jahren unvorstellbar war. Die Starts von privat entwickelten Trägerraketen von Kourou bedeuten nicht nur Europas flexiblen und unabhängigen Zukunft im Weltraum, sondern auch eine neue Ära regelmäßiger, nachhaltiger und kosteneffizienter Missionen, die auf dem stolzen Erbe von Diamant und CNES aufbauen. Avec le projet Callisto, on a une ambition qui est de développer une fusée qui sera un véhicule de démonstration de premier étage de lanceur réutilisable. Cette fusée, elle fera ses décollages et ses atterrissages depuis le site Diamant du Centre spatial guyanais. Alors c'est un défi technique parce que par bien des aspects, on démarre de la feuille blanche et on est aux limites de nos connaissances en Europe. Mais pour des ingénieurs, évidemment, c'est une aventure unique. On a une équipe internationale avec des ingénieurs du CNES et de nos partenaires japonais de la JAXA et allemands du DLR. Et on s'appuie chacun sur nos industriels respectifs. Tout ça mis ensemble, ça forme une équipe qui est très dynamique, très motivante et qui fait qu'au quotidien, ce projet, c'est aussi une aventure humaine, riche et fédératrice. Et ça nous a permis de franchir déjà beaucoup d'étapes. On est en train de construire la fusée en ce moment et de réhabiliter le site Diamant. Et toute l'équipe est mobilisée pour relever ce défi, récupérer et réutiliser une fusée et contribuer ainsi à la préparation du futur du transport spatial européen.